suis occupée. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez lancé les recherches sur Martin Lee? Non. Je vous ai dit que je pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spider-Man. Mais puisque je vous dis que c'est votre homme! Apportez-moi des preuves tangibles et on en reparlera. Des preuves tangibles? Super. Salut, c'est moi. Petit. Alors, comment tu te sens? Comme quelqu'un qui a merdé et à cause de qui un gamin a perdu son père. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire. Et la police? Ils ont des pistes sur lui? Non, ils le cherchent même pas. Même Yuri me croit pas. Alors c'est à nous de le retrouver. J'ai fait quelques recherches. Rends-toi à cette adresse. Martin Lee a acquis une participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière. Tu penses que c'est là-bas qu'il se cache? Possible. On sait qu'il est pas au fixe. S'il n'est pas non plus au centre de tri, il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais. Beau travail, MJ. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Oh, une dernière chose. Un inspecteur m'a parlé des démons qui se font interroger. Ils prétendent tous que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif. Tu fais des choses que tu ferais pas d'habitude. Ouais, un peu tiré par les cheveux pour moi. De la part d'un type qui court sur les murs, c'est le comble. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man et nous en sommes à l'épisode 11. On va évidemment changer de costume comme à chaque épisode et le costume noir, vous étiez très nombreux à l'avoir aimé. Moi, je suis pas très très fan, surtout du... Moi, c'est le casque, voilà. C'est l'effet casque qui me gêne un petit peu. Ça fait trop rigide, ça fait pas assez juste masque de toile, si je puis me permettre. Donc, on va changer et j'ai bien envie pour cet épisode de prendre le costume de Stark, celui qui a été fait donc par Tony Stark. Et je pense qu'on va le prendre sans hésiter, étant donné qu'en plus, on va faire une nouvelle base. Ça risque de le faire et ça risque d'être vraiment cool. Sachant que cette tenue débloque le Speeder Compagnon. Appelle un Speeder Compagnon pour vous aider en combat. Alors ça par contre, ça risque d'être assez insane. Ça met automatiquement la nouvelle tenue. Donc il faut appuyer sur L3 plus R3. Mais je ne vois pas là le Speeder Compagnon. Ah si, d'accord. C'est un petit appareil de... D'accord, c'est un petit appareil de haute volée niveau technologie. Pour pouvoir m'aider à me débarrasser de mes adversaires. Il est pas mal du tout ce costume. On est en train de préparer un nouvel article sur Jefferson Davis. Et du coup, je me demandais, comment va son fils, Miles? Pas trop bien. J'ai connu ça, moi aussi. On vient obsédé par le deuil. Il a besoin d'un truc à faire en dehors de l'école. Un job habitant. Allez, ça dégage. On va faire le truc de fisc. Capitaine, je suis sur un chantier de fisc. Ok. Leur équipement est couvert de poussière. C'est totalement cramé. Allez, ouais. On se casse. Allez voir ça de plus près. Je vais retourner le faire plus tard. On va aller tout en haut de l'immeuble. Je me suis totalement fail. Il n'y avait pas écrit en danger, donc je pensais que personne n'allait cramer. Mais apparemment, ils ne sont pas si abrutis que ça. Comme quoi, toujours se méfier de l'araignée qui dort, bien évidemment. On va reprendre ça et on va y retourner. J'attends juste qu'il m'oublie en mode bah tiens, je l'ai oublié, ça va être cool. Ah, je peux déjà activer mon pouvoir de tenue, je crois, non? Ok, on verra plus tard. On y va. Je crois que je les ai semés. C'est bon, totalement semé. Passer par ici. Bon. Une élimination silencieuse, c'est fait. C'est pour avoir beaucoup plus de jetons. Donc clairement, ça vaut le coup de le faire. Très bien. On va faire attention, on va prendre l'étoile classique. Là, faut faire gaffe. Ah, c'est parce que j'avais pas appuyé sur R3. D'accord, il n'y a qu'en appuyant sur lui, c'est sans danger apparemment. Paraît-il. Ok. Totalement, totalement. Et donc lui, ça devrait être sans danger. Lancer 10 objets à partir de maintenant. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, il va falloir lancer de l'objet. Voilà, jusqu'ici, on est déjà à 2 objets de lancer. Plutôt rapide et efficace. C'est la map que je préfère. Ok, ça c'était chaud. C'est bon, jusqu'ici, aucun souci. Bien joué à toi, t'as été le boss. Qui va pas. Ok. Rappelez les autres. Jusqu'ici, on est sur du 3 lancé, c'est plutôt pas trop mal. Vague numéro 2. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est... Ça, c'est fait. Hop, c'est cadeau, ça.
Hop, ça, c'est pour le spectacle. Pour le spectacle, ça. C'est fait aussi. On est sur du 6 objets, on va s'en débarrasser assez vite. Oh putain, on est sur du 7 objets. Aïe! Waouh! Ok, je voyais rien. Non, j'ai esquivé. Non, c'est injuste. Bouge pas. Ok. Arrêtez. Ok. Hop, 8. Ça dégage là-haut. Ça dégage là-haut. Et ça dégage là-haut. Lui, aucun souci. Lui, on l'éclate. On va essayer de se focus. Voilà, sur le heal pour pouvoir récupérer tranquillement. Mais arrêtez. Ok. Ça, on prend, on est sur du 9. C'est très très chaud, les gars. Là, j'arrête de parler parce que it's complicated. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est mon petit côté anglo. Oh là 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 là. Attention. Ok. 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 Je peux appeler mon speeder compagnon, mes couilles. C'est maintenant que j'ai besoin d'un speeder compagnon. Hein. Ok, j'ai très très chaud jusqu'ici. Ok. Oh, calmez-vous. Oh, c'est la période tellement chaud. Avant début janvier. Ok, lui on va se débarrasser du bouclier le plus rapidement possible. Oh là 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 là, je suis on fire de ouf là. Okay. Attendez, je vais deviner. Ça, on prend. Cache de la drogue dans les sacs de ciment. Bien. On aura besoin d'un motif valable pour accéder au chantier et confirmer. Putain, c'est chaud, les gars. J'ai mal au pouce, je vous le dis, mon pote. Lui, on l'éclate. C'est très très chaud, bordel. Il y en a encore. Poussez pas, tout le monde aura son câlin. Oh putain. Bordel de merde. Ok. 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 Oh là là, il se passe tellement de trucs. Des renforts, je vous préviens. Ça, c'est pour le spectacle, mon petit côté Hollywood. Oh là là, je suis un monstre. J'ai toujours pas perdu de vie d'ici. Oh là là, mes mecs. Les gars, c'est incroyable. Je veux que tout le monde voit ça. J'ai hyper mal, les gars. J'ai mal au tendon de la main à force. Ok, lui, on s'en débarrasse du premier coup. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui vient de se passer. On était dans une merde profonde. Oh là 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 là. Oh là là, tout va très vite. Hop, il prend sa part. Hop, lui, on va l'éliminer. Aïe. Tu mérites. Hop, mais par contre, tu vas mourir. Voilà, ça, c'est fait. Repère de fisc terminé. Et en plus on accomplit tous les objectifs annexes. On aura plus de jetons. Incroyable ce début de vidéo. Capitaine, les hommes de fisc et tous les motifs valables dont vous aurez besoin vous attendent bien sagement. Bravo. Fisk croit tout pouvoir gérer depuis sa cellule, mais il va se rendre compte que les relations à distance sont souvent vouées à l'échec. Allez, bonne chose de faite. 3 jetons parce qu'on a fait les 2 objectifs en plus. Clairement les gars, on a été clean et propre sur nous. Incroyable, c'était juste de toute beauté. Direction notre notre histoire, hein, les gars. On va reprendre le fil de nos aventures. Et on sait maintenant que Martin Lee, c'est le grand méchant, mais personne ne veut me croire. Il n'y a pas assez de preuves, ce que je peux comprendre aussi. Je sais pas si je dois le faire maintenant. J'ai bien juste envie de voir ce que ça fait. Oh, on verra plus tard. Allez. Le tuyau d'MJ était juste. Cet endroit grouille de démons. Je dois me débarrasser d'eux. Je ferai du repérage après. Très bien. On va essayer de le faire en full infiltration. Ça me paraît pas mal. Ok. Ok.
très très bien. What? Ils s'en battent les couilles. Hop, sans danger. J'ai eu très très chaud. Hop, on va tirer juste lui. Danger, danger, danger toujours. Danger encore et toujours. C'est compliqué cette petite histoire des familles là, non? Attendez, 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 attendez. Danger. Faut que j'aille ailleurs, ça vaut pas le coup ici. Sans danger. Hop, il a rien vu. Hein. Il est totalement aveugle. Ok. Sans danger. Hop, rejoins-moi frérot. Jusqu'ici on s'en sort plutôt bien. Ce qui est bien c'est qu'il lève la tête. Ok. Ah mais là je peux pas le prendre en fait. Là je peux pas le prendre. Ok, je peux juste pas le prendre en fait. Donc voilà ce qu'on va faire. Hop, pas du tout hein. Pas du tout, pas du tout ce que je voulais faire. Comment on peut... C'est bon. J'ai eu très très chaud, je suis pas cramé, je suis pas cramé. J'ai été le boss, clairement. Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut, vous pouvez me juger, mais lui il est en position de combat, on sait pas pourquoi. Bah d'ailleurs, ah, danger, ok, sans danger, danger toujours. Sans danger, danger, sans danger, hop. Voilà, j'attends qu'il soit en sans danger. Il devait bugger. Sans danger, donc on va aller là-haut. Sans danger, on le kidnappe tout de suite. Incroyable! Putain, j'adore le dire en plus ce mot-là. C'est tellement jouissif. Dites incroyable chez vous. Mais en criant, toujours. Toujours. Il faut rendre ce mot incroyable! Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dire, ouais, il s'est passé. Okay. Tu vas dire, ouais, le bon. Je me suis baladé, je suis allé à la boulangerie, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Là, les gens, ils vont me faire, ouais, il en fait trop, tu vois. Par contre, si tu dis, hier, je suis allé à la boulangerie, il s'est passé quelque chose d'incroyable! Le mec, il va dire, waouh, ça devait être dingue. Tu vois ce que je veux dire? Il a envie de savoir la suite de l'histoire. Allez, on y va. J'ai fait ça en full infiltration. Clairement, là, ce fut incroyable! On y va. Serrure de sécurité. J'en ai marre. C'est plus courant dans les banques que dans les centres de tri. D'accord, 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 d'accord. Je pourrais peut-être trouver d'où vient l'alimentation. Mais oui, mais oui. Et elle vient d'ici, l'alimentation. Ah. Voilà. On devrait pouvoir contourner le circuit. Il me faut mes toiles électriques. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je comprends parfaitement. Bon, au moins ça marche. Mais on dirait que les circuits ont besoin d'un peu plus de jus. Encore ? Merde ! Non ! J'étais tellement bête. Très bien. Bon, il faut aller là-haut. Jusqu'ici, pas de soucis. J'ai appelé mon compagnon. Que dis-je ? Mon speeder compagnon. Et okay. Voilà. Le circuit a l'air encore stable. Il y a peut-être une autre boîte de dérivation dans le coin. Et ben voilà, il est là, il est là, il est là, il est là. Encore ? Les gars. On y est presque. Encore une essai. Oh les mecs, c'est de pire en pire votre délire là. Et comment je fais moi pour ça ? Comme ça ? Et ben voilà. Aucun souci. Bonne chose de faite. Et voilà. Incroyable ! Tu vois, maintenant que je l'ai dit, ça a rendu une chose vraiment incroyable, tu vois ce que je veux dire ? Allez, on y va. Bon, j'arrête mes conneries. Qu'est-ce que je vais prendre ? Dida, dida, doum. Je vais prendre cette belle boule. On adore les belles boules ici. Et on est parti. On se passe par là. Hop, ça, c'est mon petit côté spectaculaire. Toujours. Jusqu'ici, pas de danger. Putain, Martin Lee, le salaud. Et le pire, c'est qu'en tant que Peter Parker, je vais devoir y aller en mode calmement. Ah, je suis Keblo. Voilà, c'est bon. J'étais un petit peu bloqué, c'était terrible. Ok, on va passer par ici. Bonjour, messieurs, dames. Oh, waouh. Pas mal de matos high-tech. Peut-être que je pourrais recycler tout ça pour m'en faire des armes. Très bien.
On a une carte, donc, de futur plan. J'ai quand même visité tout le reste, on a des armes. Ça vient de l'armurerie de Fisk. Ok. On a autre chose, Des camions piégés, oh, vache. C'est dingue. Ah bah c'est Monsieur Négatif, hein. Il voit toujours les choses dans le mal, celui-là. On va prendre ça. Ce sont des explosifs du chantier de Fisk. Ok. On a tout fouillé jusqu'ici. Il est temps de voir les futurs plans. Ça doit être là qu'il compte frapper. Attends. C'est le bureau de campagne d'Osborne. C'était pas une guerre de gang. Les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborne. Salut, t'as trouvé Lee ? Non, mais t'avais raison. Lee utilise cet endroit comme planque pour les démons. Il y a des bombes, des armes. Oh, c'est pas vrai. Et on dirait qu'il prépare une autre attaque. Cette fois contre le bureau de campagne du maire. Lee doit avoir une dent contre Norman Osborne. J'ai trouvé une adresse. Je crois que c'est leur base d'opération. Si je me dépêche, je devrais pouvoir les arrêter. Sois prudent. Allez, on y va. Je vais essayer de voir où est le truc de notre cher. Yuri, c'est moi. Faites vite, mon chef m'attend pour me passer un savon. Martin Lee et les démons préparent une nouvelle attaque. Cette fois contre le bureau de campagne de Norman Osborne. Vous êtes sûr? Parce qu'on a eu pas mal de fausses pistes cette semaine. Faites-moi confiance. Je vous envoie l'adresse d'un centre de tri. Vous y trouverez toutes les preuves allez, dont allez, vous aurez besoin. Allez, entendu. Voilà. Je vais faire évacuer ce bureau de campagne. Merci. Mais si je fais pas, rien, c'est terrible. J'aurai mon licenciement sur la conscience. Je crois que c'est le gymnase, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, de Dardeville. C'est pas là où il s'est entraîné? Où il s'entraîne toujours? J'ai pas envie de dire n'importe quoi, gymnase de Hell Kitchen. Je crois, il me semble, hein. Je peux dire de la merde aussi. Comme j'en dis très souvent, hein, comme n'importe qui. On n'a pas la science infuse, on est là pour apprendre. Waouh! Ok, pas mal ça. Pas mal ça. Voilà, bonne chose de faite. On y va, j'ai perdu déjà le QG de Catgirl et ça c'est assez terrible. Donc c'est pas grave, il y en aura peut-être un autre, parce que je crois qu'il y en a 5 sur toute la map. Ah ça me fait chier quand même, j'aurais bien voulu le faire tu vois. Et il me semble pas avoir beaucoup bougé entre temps. C'est pas grave, il y en aura peut-être un autre, ne paniquons pas. Il y en aura forcément. Attendez, des nouveaux. Hop, on a un monument ici. Ça, c'est très beau, ça. Hop. Bougez pas. Allez. Daily Bugle. Un excellent journal. Surtout depuis que Jameson est parti. Allez, on y va. Direction, notre objectif principal. Tiens, on va récupérer ce petit sac. On récupère pas mal de trucs. Ça, c'est vraiment cool, hein. Vraiment, vraiment cool. Là, jusqu'ici, franchement, cet épisode, on est clairement les boss. Wow, 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 wow. Stop, 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 stop. Calme-toi. Ok, je l'ai. Allez, allez, un effort, s'il te plaît. Regarde mon joystick. Oh, c'est terrible, je vais tout brûler. Je vais bouillir. Ok. Ah! Mais qu'est-ce qu'on a là? Très, très beau dessin, ma foi. Sur ce petit building. Ok, on a notre monument là-haut. On va y aller calmement. C'est au passage, hein. Tout ce qu'on fait là, c'est au passage. Pas de panique. Et Fisk, ça me semblait évident pour pouvoir changer encore de tenue au prochain épisode. Parfait. Pas mal, ça. Pas mal. Il y en a encore un à côté. On y va, les gars. On y va, on y va, on y va. Jusqu'ici, c'est plutôt cool. Il faut prendre. C'est des quêtes en moins à faire. En tout cas, franchement, on se régale. L'avantage, c'est que à chaque épisode, on continue notre histoire et on découvre des petites quêtes annexes et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. On va aller par ici, voilà. Oh, c'est pas Docteur Strange. Super fenêtre. Mais j'ai toujours l'impression qu'il se passe des trucs étranges derrière. Ah, bah oui, Docteur Strange. J'adore. Alors les gars, je vais être très honnête avec vous. Ce Doctor Strange est un de mes Marvel préférés. J'ai kiffé le délire. Franchement, putain de bon délire. Putain, on peut pas rentrer dedans, c'est tellement dommage. On peut pas voir par la fenêtre des petits trucs sympas. Ah, dommage. Et ils ont vraiment pensé à tout, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Le boulot qui a été fait, quoi. Juste fou. Allez, on y va!
Donc voilà, c'était une petite anecdote, ça fait toujours plaisir. Sachez que Doctor Strange est un de mes Marvel préférés. J'aime beaucoup et j'ai hâte que le 2 sorte. Et il était tellement badass aussi dans Avengers, les gars, il était insane. Dans le dernier, on y va. Oh, on a un sac là-bas. Et ben vous savez quoi, on va le prendre. Pas du tout, on va pas le prendre. Le jeu en a décidé autrement. Consolidated Shipping. Il y a du monde. Faut que j'essaye d'y aller discrètement. Ah. Mais aussi avec style. Très, très bien. Bon bah les gars, on a pas mal de phases d'infiltration. Ok. Ouvrir gadget. Donc nouveau gadget, c'est ça? Vous pouvez désormais fabriquer des pièges de toile. Je peux utiliser ce que j'ai trouvé au centre de tri. Ok. Piège de toile, ça marche comment? Oh, délire! J'espère que vous avez la vu classe. La petite... Regardez, hein. J'adore utiliser les armes des méchants contre eux. Regardez. C'est énorme. Ah, hop, ça et dégage. Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle le karma. Oh, mais c'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Attendez. Il y a des trucs à faire, là. Il y a clairement des trucs à faire. Je trouve ça énorme. Ok. Lui, il est... Lui, je suis cramé. Par contre, si je me prends de lui par au-dessus, ça devrait être sans danger. Et on va pouvoir s'occuper maintenant du gars qui est un petit peu en... en warning. Donc, on va essayer de retourner sur ce petit lampadaire. Oh, et là, on s'en sort comme des chefs. Hein. Hop, ça dégage. Hein. Aucun souci. On s'en sort vraiment comme des boss. Hein. Cet épisode-là, les gars... Ah, des snipers. Très bien. Très, très bien. Quoi? Oh putain, j'ai cru que c'était le corps du gars qui... Ok. On va faire très attention si ça ne vous gêne pas. Lui, je peux pas l'éliminer. Par contre, putain, même d'ici, je ne peux pas. Ok. Faut vraiment que je m'approche très très près de lui. Jusqu'ici, on gère, clairement. Hop, c'est bon, plus de snipers. Aucun problème. Le danger... Bon, il est toujours présent, mais quand même. Ok, lui, c'est dangereux si je m'en occupe. Et lui, c'est dangereux? C'est aussi dangereux, très bien. Ah, ils sont deux là-bas. Je suis cramé. Wow. Ça c'est cadeau. Ok. Ça c'est cadeau. Et ça. Hop. Hop. C'est cadeau. Et c'est terminé. Ça dégage. Oui, il est encore vivant, il est chaud. Non, je déconne, c'était un prank. C'était un petit prank. Allez, on y va. On peut continuer, jusqu'ici aucun souci. Il n'est pas là. Je ferais bien de regarder à l'intérieur. Bien sûr qu'il faut rentrer à l'intérieur. Heureusement que j'ai mis un terme à tout ça. Ils auraient pu faire sauter la moitié de Manhattan avec un stock pareil. Ok. Hop, c'est comme ça que j'ouvre les portes. Hein. Quand j'ai ma tenue, je me sens plus. Hein. Ah, on a pas mal de choses. Ok, encore des plans. Très bien. Il va se passer des choses terribles. La facture d'un garage. Bale Horse Rides. Eh ben, on s'est fait plaisir, on dirait. Qu'est-ce que je peux bien trouver d'autre?
D'accord. Bon, bah, c'était pour prendre les camionnettes, je suppose. Ils ont des bases aux quatre coins de la ville. Oh, mais c'est incroyable! Cette fois-ci, il y a les bases des démons. En plus des bases de Fisk. Oh, putain! Les gars, on est à l'épisode 11. Il y a encore des nouvelles quêtes secondaires qui s'affichent. C'est juste dingue. C'est juste dingue! Très bien. Il y en a combien? Il y en a bien 3, 4, voire même 5 hein, qui sont affichés. Hein. Ok, on verra plus tard. C'est pire que ce que je pensais. Les démons disposent carrément d'une armée. Ok, sortir du bureau. Voilà, tout ça pour découvrir qu'il y a encore des quêtes secondaires. Incroyable. Oh, très sympa ça. Oh, très sympa son coup, hein, j'adore. Comme si un seul poids mortel suffisait pas. Il est déjà mort. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais clairement pas à ça. Ok. Hey, MJ. Ok. Je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne de okay. sport. Ok. Est-ce que t'as trouvé les... Non, mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Balance Right. Waouh! Je prends ma part de tous les côtés! Waouh! Non, waouh! C'est incroyable! Je prends tellement ma part! C'est incroyable! C'est... Arrêtez! Ok. Ok. Là, ça c'est bon. C'est tellement chaud! Intouchable, ça c'est chaud, boss. Le nombre d'esquives qu'il faut faire. Retour à l'envoyeur. Allez, aucun problème. C'est bon? Non, mais tu vas te calmer, pas. Hop, voilà, c'est bon, tu vas gifler. Mais et toi? Bah alors? Lucide. Ah non, c'était un autre. Ok, maintenant il y a les monsieur fouet, pardon. Silverbird, nous nous dirigeons vers l'emplacement. En voilà un autre. Paré à tirer. C'est nouveau, ça. Non, celui-là est pour moi. Oui. Je vais lui mettre une balle à ce fils. Hé! C'est pas comme ça qu'on fait! Chez nous! Code SM1. Wow! Et avant de commencer, on pourrait se présenter! Code SM1. Nous attendons les ordres. Reçu code SM1, visuel confirmé. Attendez Silverbird. Ah, sur l'échelle de je me la raconte, c'est 8 sur 10. Ok, 9 sur 10. Relâchez-le. Il est avec nous. Yori, vous pouvez m'expliquer? Voici Silver Sablinova. Elle dirige Sable International. Une force de sécurité privée. Elle a été engagée par le maire Osborne. Ah, le maire a son armée perso maintenant? La prochaine fois que vous êtes dans mes pattes, je serai pas aussi gentille. Allez-y. On se voit plus tard. Oh le délire! Mais comment est-ce la bête, Silver? On va devoir la régler, les gars. Ça va, hein. Ça va la comédie, hein. Hey, désolé pour cette histoire avec Sable. J'aurais dû vous en parler plus tôt, mais c'est arrivé si vite. C'est pas grave, je suis toujours votre meilleur ami. Vous êtes pas mon meilleur ami. Là, vous me faites de la peine. Bref, Sable est dans les petits papiers du maire et a pour ainsi dire carte blanche. Nous avons trouvé de nombreux indices sur l'attentat à l'adresse que vous nous aviez fournie, mais rien qui n'incrimine Martin Lee. J'y travaille. Incroyable, les amis. Incroyable. J'ai des infos sur les autres commerces détenus par Martin Lee. Il possède des propriétés partout dans la ville. Ah. Les endroits correspondent à cette carte que j'ai trouvée dans la boîte de transport. J'irai faire un tour. Tu me diras ce que tu trouves dans chaque bâtiment, que je puisse monter un dossier. Ça marche. Je me rends au centre Fist, voir si je peux en apprendre plus sur ses motivations. Et sur ce qu'il a derrière la tête. D'accord. Le centre Fist.
Très très bien, on s'y rendra très très vite. Non, Lee n'a qu'une seule cible en tête, Norman Osborn. Allez, on va s'arrêter là, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire, on se retrouve très très vite pour la suite de Spider-Man, si vous êtes sage, peut-être demain, ça me ferait plaisir. J'espère que vous aussi, ça vous ferait plaisir. Donc, portez-vous bien, à très bientôt pour la suite. Bisous tout le monde, ciao ciao.